monde, c'est Nexus AF, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on est sur FIFA 16, donc pour une technique d'achat-revente, donc ça va être la Tech Avion Plus. Donc sans faire exprès, hier soir, j'ai supprimé toutes mes ventes de Tech Avion. Donc je crois que j'en ai même plus une. On va voir. Tech Millionnaire, Millionnaire. Ça c'est de la Tech Avion normale. Tech Avion normale. Moi je vous conseille pas, Tech Avion normale. Vous faites... ouais, peut-être que vous faites pas mal de bénéfices, genre 3000 par joueur, mais ça se vend vraiment lentement, genre sur 10 joueurs, quand vous lissez 10 joueurs, ça se vend peut-être même pas en un jour et demi, ça c'est de la tech millionnaire, ça c'est de la tech avion plus, donc Mathieu dit en deux relistages il était parti. Putain, je dois en avoir encore quelques-uns, piqué, c'est de la tech avion plus, Oscar, et je crois que j'ai tout vendu sinon, ouais j'ai tout vendu. Mais franchement c'est une des techs qui se vend pas mal. En plus c'est... Bon peut-être que vous faites que 1000-1500 de bénéf. Mais franchement ça se vend... De relistage ça se vend. Donc au lieu d'acheter un gros joueur à 10 000 vous en achetez 2 à 5 000. Et vous faites plus de bénéf et ça se vend plus rapidement. Donc franchement c'est pas mal. Donc on va essayer sur Marcelo. Allez hop. Marcelo t'as combien toi? Franchement ouais. Et je vous ai fait une liste de joueurs. Je crois qu'il y a une vingtaine de joueurs que je vous mettrai en fin de vidéo. Enfin, à la fin de la vidéo, je vous mettrai 6 secondes de... Est-ce que déjà c'est de la tech Oh le con. Ouais, bah on a trouvé un pas mal, je pense, en tech 59. Faut voir combien il coûte sinon Marcelo. Oh putain. Il coûte 6008. Donc on va dire qu'on l'a acheté 6008. Attendez fort. Ouais, on va dire qu'on l'a acheté 6008. Tout simplement parce que les premiers sont à 6008. Et que nous on l'a chopé très bas. Donc là il y en a encore bas qui est sorti. Ouais non, on va dire allez. On a chopé 6005. On va dire on l'a chopé 6006. Allez hop. Parce que son prix va peut-être baisser, je sais pas. Ouais, non, il est déjà parti, 6005. Hein. Ouais, on va dire on va choper 6007. Donc voilà, on va dire on va choper 6007. Donc, donc j'étais en train de dire, à la fin de la vidéo, je vous mettrai donc un screen de des joueurs de 2-3 secondes. Et en description, je vous mettrai un lien aussi pour la télécharger, la photo. Parce que, peut-être que sur YouTube, pour ceux qui sont sur téléphone et tout, ça se voit pas tellement. Donc c'est qui qu'on a acheté déjà? Marcelo. Je crois que je l'ai passé sur ma liste de transfert, je crois que je suis con. À chaque fois je fais ça. Je crois. On va voir. Ouais. Je suis trop con. Action, envoyé au club. Alors, vous le mettez dans votre équipe. Hop là. Marcelo, t'es là mon ami. Défenseur latéral gauche, en plus il est... j'ai pas de quoi lui appliquer quelque chose là. Genre position... Ah non, ça c'est DLD, j'ai pas DLG. Oh putain. Bon c'est pas grave, on va le vendre comme ça en DLG. Je pense que ça peut le faire, donc il y a combien de contrats? Il a 10 contrats, donc ce que vous faites c'est que votre joueur, vous lui mettez toujours un contrat or normal, et c'est tout, vous le vendez après comme ça. Donc il faut qu'il soit entre 35 et 50 contrats. Donc franchement avec les bonus entraîneurs, puis si, même si vous n'avez pas de bonus entraîneur, même avec les... S'il y en a 7 de base, vous lui mettez un contrat 28 et puis franchement vous pouvez le vendre comme ça après. Donc on va le lister sur la... Sur la liste des transferts. Donc 6005 on l'a acheté. Donc vous rajoutez on va mettre 8100. Donc je vais vous calculer tout ça direct avec mon téléphone. Alors là, hop là, si on le vend 8100 fois la taxe, ça fait 7695. 7695 moins 6005, ça fait 1195 de bénéf sur un Marcelo. Et Marcelo, notre ami, va partir en 2-3 relistages. Donc franchement, là j'ai fait ça sur un joueur. Vous faites ça sur une dizaine de joueurs, ça vous fait 10 000 crédits de bénéf en 2 heures. Et encore 10 000, c'est...
J'aurais pu le mettre plus. Franchement, j'aurais pu le mettre plus. Normalement, je l'aurais mis à... En temps normal, j'aurais mis à 8005. Parce qu'il faut faire, c'est mettre entre 1000 et 1005 de bénéf. De bénéf net. Vous comptez pas, enfin, faut compter la taxe. Entre 1000 et 1005 de bénéf net, là, je fais 1100, je crois. Mais c'est qu'il est en DLG. Et il aurait été en DG, ouais, franchement, j'aurais mis à 8005. Donc voilà, donc après vous faites ça sur tous les joueurs que je vais vous mettre dans la liste, enfin que je, ouais, que je vais vous mettre à la fin. Donc Coman aussi c'est pareil, je l'ai testé en tech avion. Mais c'est pareil, depuis hier je l'ai et il se vend pas. Franchement, je sais qu'il va se vendre, il n'y a pas de souci. Mais franchement, ouais, elle met un peu de temps à se vendre, enfin en tech avion ça met beaucoup de temps à se vendre. Parce que ouais, on fait 11 750, ouais, on fait à peu près 3000, ah, surtout que là j'ai même pas mis tellement cher pour une tech avion, normalement j'aurais dû le mettre plus. Surtout qu'il a un style catalyseur. Donc franchement ouais, il va mettre un peu plus de temps à se vendre. Piqué je l'ai acheté ce matin. Et Oscar je les ai achetés ce matin, je crois. Il est Oscar, notre ami. Ouais il est bu. Ah si, là. En catalyseur aussi. Voilà, je l'ai acheté ce matin. Donc la forme faut qu'elle soit minimum 90. Et les contrats, je vous dis, faut que ça soit entre 30 et 50. Hop là. Là, non, normalement 35 et 50. Oh putain, le grand poste il est sale, hein. Je comprends pourquoi ils ont pas. Bon bref. Entre 30, ouais, entre 30 et 50, donc enfin 35 et 50 pardon, et là 33, donc j'allais pas rajouter un contrat. Puis là 20 et 94, donc je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai dû l'acheter comme ça, en fait. Ouais, s'il se vend pas, je vais rajouter un contrat après. Parce que franchement, ouais, faut qu'il soit pas mal de contrats quand même pour que ça se vende. Et donc voilà, donc en espérant que cette vidéo vous ait plu. C'était Nexus, portez-vous bien, ciao les gars.